les plus importantes, dont le pronostic vital est sérieusement engagé, en l'absence, ce que vous dites, monsieur le ministre, d'accessibilité et de disponibilité des produits. Et ça, c'est un passé. On a reçu le coup, quand on était secteur sanitaire, on a fait la séparation, secteur sanitaire. C'est là, on a cassé le système. On est en train, pendant des années, on a réfistolé, mais on n'a rien fait. Maintenant, on revient. D'ailleurs, le mot EPSP, EPH, dans la loi sur la santé, n'existe plus. Nous avons la circonscription sanitaire. Et ce mot, mais avec Zegari, on l'a inventé. On a dit, on ne va pas revenir au secteur sanitaire, mais on va, dans la loi, mais le futur, ça sera la circonscription sanitaire qui englobe à la fois l'hôpital et les unités périphériques. Et la force de notre système de santé, c'était la prévention. Cholet travaillait sur le volet de la prévention. Cholet, Zidouni et tout le monde. J'avais une consultation au dispensaire antituberculeux d'Alafroune. D'autres, on avait Alafroune, Mouzaïa, Blida, sans compter les 40 secteurs sanitaires de l'Algérie au centre, et vous le savez, monsieur le ministre, qu'on coordonnait à l'époque. Et donc, nous, ce qu'on avait proposé, et c'est le même esprit, c'est les secteurs sanitaires et les secteurs sanitaires universitaires qui sont dans le pôle régional universitaire doit s'étendre à toute la région. On a été félicité pour cette organisation.